Je donne la parole à présent à Jean-Philippe Daviaud pour 5 minutes. Oui, merci Madame la maire. Alors, ma collègue Dominique Hélémoès a dit l'essentiel. Je voudrais simplement faire un focus peut-être sur le grand intérêt pour la ville de Paris et pour ses entrepreneurs de l'action de PIE. Un chiffre qui est assez éloquent. L'action de PIE contribue à assurer aux entreprises un taux de survie à 5 ans de 85% au lieu de 61% à l'échelle nationale, selon les chiffres de l'INSEE. Donc on voit bien que l'accompagnement par PIE dès le début de l'activité ou à un moment clé de l'activité des entreprises est déterminant pour la survie de ces entreprises, ce qui est particulièrement important pour l'emploi et puis évidemment pour l'activité économique de Paris et pour son attractivité, parce qu'il en faut bien. Et on doit sans doute cela d'abord au grand professionnalisme des salariés de PIE qui connaissent parfaitement le tissu économique et qui savent parfaitement comment accompagner les entreprises. Et puis je soulignerai aussi finalement la diversité des leviers que PIE peut actionner, puisque pour rappel quelques-uns, il y a par exemple en 2022, il y a eu 273 prêts d'honneur pour un montant de 2,6 millions d'euros, c'est beaucoup. 80 garanties France Active pour un montant de 2 millions d'euros, 12 prêts sur les fonds patients Ville de Paris pour un montant de 885 000 euros, 13 prêts dépôts de garantie. Alors, je ne vais pas abreuver trop de chiffres, mais simplement, c'est pour montrer la diversité des modes d'action qui font que, quasiment, quelle que soit l'activité que l'on souhaite entreprendre, on peut trouver auprès de PIE le soutien nécessaire. Et pour terminer, je peux témoigner dans le 18e arrondissement de nombreuses ouvertures de commerce, notamment, et beaucoup dans des cas de reconversion, qui sont accompagnées par PIE et qui permettent de démarrer ces nouvelles activités dans d'excellentes conditions. Et c'est pourquoi, en revenant au premier chiffre que je citais, on arrive avec des démarrages sécurisés et bien accompagnés, on arrive à avoir des entreprises qui perdurent. Voilà. Merci.